Viens, ma sœur, prends de la nourriture. Non, chérie. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim à cause de ce que Zafar a fait. Et je suis venue pour obtenir la permission de vous deux. Permission pour quoi, ma sœur? Je suis assez restée ici maintenant. Maintenant où on n'est pas respecté et on ne reçoit pas d'amour. Il n'est pas conseillé d'y vivre. Je veux seulement permission de votre part. Que dis-tu, ma sœur? Ceci est votre maison. Nous tous ici vous respectons de tout notre cœur. Oui, c'est vrai. Je suis en colère contre Zafar. Ce qu'il a fait m'a rendu triste. Mais cela ne veut pas dire que vous parlez de quitter la maison. Sœur, frère Iqbal a raison. Tu n'iras nulle part. Je vous en suis reconnaissant à tous les deux. Tu le dis juste comme une formalité. Mais crois-moi, ce n'est pas possible pour moi de vivre ici. Zafar a aussi honte. Il ne sort pas de la pièce. Je l'ai grondé et nargué, lui pour ce qu'il a fait. Il a commencé à pleurer à la fin. Il dit maintenant que si oncle me pardonne, nous partirons ensuite tous les deux d'ici. S'il a réalisé son erreur et il a honte de ce qu'il a fait alors, ma sœur, ça me suffit. Sœur, ceci est votre maison. C'est aussi la maison de Zafar. Tu vas parler de quitter cette maison maintenant. Viens, asseyez-vous et mangez. Laisse-moi aller appeler Zafar. Non, Munawwe. Ne pars pas maintenant. Il n'a pas le courage d'affronter tout le monde. D'abord, il s'excusera. Alors il mangera avec tout le monde. Munawwe, je pense qu'elle a raison. On devrait donner Zafar un jour. Une personne qui a honte veut rester seule. Viens, ma sœur, assieds-toi. Viens, viens, sœur, asseyez-vous. Viens. Tiens, prends ça. Commencez, s'il vous plaît. Écoute, Iqbal. Que avez-vous? Avez-vous pensé à Getty et Badar? Frère. S'il te plaît, pardonne-leur. Tu devrais finir ta colère contre eux. S'il te plaît. Frère, Getty est aussi la fille de la maison. S'il vous plaît, donnez-lui la permission de venir dans cette maison. Je veux aussi du temps. Nous devrions commencer à manger. Samir, tu m'as mis dans de grandes difficultés. Je ne veux pas te rencontrer. Allez, écoute. Getty, chérie, vas-tu quelque part? Oui, je vais chez mon ami. Aram ne va pas bien, alors j'ai pensé à la rencontrer. Eh bien, Badar est sur le point de revenir. Tu peux aller avec lui, si tu y vas seule. Non, tante. Je ne veux pas le déranger. Il reviendra fatigué du bureau. Il sera dérangé. Elle habite à proximité. Je vais. Reviens bientôt. Cher, mais écoute. Eh bien, tu peux faire ce que tu veux.
Ma belle-sœur n'a de problème qu'avec moi. Sinon, elle va à la rencontre d'autres personnes. Ça aussi la nuit.